Content de te revoir parmi les Christophores. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va comprendre ensemble ce que ça veut dire construire ta maison, ta vie sur du roc solide, sur des fondations solides. Et cette vidéo, je pense qu'elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va te faire comprendre qu'être un chrétien, c'est avant tout une vie. C'est pas comme la plupart des personnes pensent, c'est une information que tu as dans ta tête de « Ah oui, il y a un Dieu qui existe, Jésus ». Non, être un chrétien, c'est avant tout vivre. D'ailleurs, si toi maintenant tu es nouveau sur cette chaîne, tu es en train de te demander « Mais c'est quoi Christophore ?» Christophore, c'est un mouvement de personnes qui ont décidé de vouloir prendre leur vie en main, de vouloir construire leur vie, leur fondation, leur maison sur des fondations solides, sur du roc solide. C'est un peu le sujet de cette vidéo. Et tout ça dans un seul but, bien sûr, avoir une relation intime avec la seule personne qui puisse te combler totalement, qui puisse véritablement et profondément te rendre heureux, Jésus-Christ. C'est le but de cette chaîne. Si toi aussi, maintenant, tu décides et tu as envie de devenir un Christophore, tout ce que tu as à faire, c'est arrête la vidéo, va en dessous de cette vidéo, clique sur le bouton rouge « S'abonner » avec en même temps la cloche grise, il faut faire les deux en même temps. Comme ça, chaque semaine, tu vas recevoir tous les dimanches une vidéo qui aura pour but de t'impacter. Donc, pour cette vidéo, comme pour toutes les autres, je te conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que le contenu qui est à l'intérieur, si tu décides de le mettre en pratique, ça va pouvoir changer ta vie. Mais il faut être proactif. Si on est passif, ça ne va pas faire grand-chose. Okay ? Donc, je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Il y a beaucoup de personnes, quand tu leur demandes « Mais qu'est-ce que tu veux toi dans ta vie ? Qu'est-ce que tu vas accomplir ? Qu'est-ce que tu vas atteindre ?» Ils vont te répondre généralement « Moi, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Moi, j'ai envie de devenir avocat. Moi, j'ai envie de devenir médecin. Moi, j'ai envie d'accomplir de grandes choses, de grands projets. J'ai envie de changer le monde. » Mais la question que je vais te poser à toi, c'est « À quoi ça te sert de vouloir changer le monde ?» si tu en viens à perdre ton âme. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, si tu en viens à perdre ton âme? Ça veut simplement dire que pourquoi as-tu été créé, toi? Tu as été créé pour être rempli par la seule personne qui puisse te remplir et te rendre profondément heureux, Jésus-Christ. Ça veut dire être saint. Comment être saint? Avoir une relation intime avec Jésus-Christ, c'est ça être saint. Avoir une relation intime avec lui qui dure dans le temps. Comment avoir cette relation intime avec lui qui dure dans le temps? Tout simplement en construisant ta vie sur des fondations solides. C'est un peu l'histoire de deux personnes, deux hommes qui voulaient construire leur maison. Il y en avait un qui était fou, il y en avait un qui était intelligent. La première personne, elle a décidé de construire sa maison sur du sable. Et au moment où les épreuves sont arrivées, au moment où il y a eu la tempête, il y a eu des ouragans, il y a eu des tremblements de terre, sa maison s'est totalement effondrée. Alors que l'autre personne, qui est celle intelligente, si tu l'avais bien deviné, elle a décidé, elle, de vouloir construire sa maison sur du roc solide. Et quand les épreuves sont arrivées, quand l'ouragan est arrivé, quand la pluie, les torrents sont arrivés, sa maison est restée debout. Certes, il y a peut-être eu quelques égratignures, mais à la fin, sa maison est restée debout, coûte que coûte. Eh bien, cette maison, elle représente ta vie. Et construire ta maison sur du roc, je pense qu'à travers cette image, tu peux comprendre l'importance de ce que ça veut dire. Il faut absolument la construire sur le roc. Et beaucoup de personnes aujourd'hui la construisent sur du sable. C'est-à-dire, ils ne savent pas vraiment, ils ne sont même pas au courant qu'on peut construire sa maison tout court. Et entre guillemets, ils le construisent avec les éléments qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, et peut-être que ce que tu ne sais pas encore, c'est que tu peux véritablement la construire sur du roc qui est Jésus. Maintenant, j'ai envie que tu t'imagines que tu es une bille qui peut flotter en fonction du vent. Et je veux aussi que tu t'imagines qu'il y a une bouche d'aération. La bouche d'aération, elle produit du vent. Et c'est avec ce vent que toi, la bille, tu flottes. En fonction du vent, tu flottes. Et généralement, ce vent est assez constant. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que nous, dans notre vie, on est cette bille et on flotte en fonction des émotions qui sont représentées par le vent de cette bouche d'aération. Et quand on a des émotions positives, un peu plus de vent, et ben, tout d'un coup, on se sent bien, on se dit « Ah, je me sens bien, je suis heureux ». Et dès qu'il y en a un peu moins, on se dit « Ah, je suis malheureux ». Et sans s'en rendre compte, on dépend de ce vent. Et ça, c'est problématique. Parce qu'à des moments donnés de notre vie, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, ça m'est arrivé à moi, il y a beaucoup de personnes, le vent, il coupe.
Et nous, en tant que pays, parfois, on descend très, très, très bas. Des personnes y vont parfois même jusqu'au suicide. Donc, ça peut être vraiment très grave. C'est vraiment une question de vie ou de mort, quoi. Et à un moment donné, personnellement, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer comme ça. J'ai pas envie de descendre aussi bas. J'ai envie de pouvoir être stable dans ma vie. J'ai envie de pouvoir grandir. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'on pouvait construire sa maison sur du roc. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette image de bille et de grille d'aération, de bouche d'aération? Ça veut simplement dire que tu vas construire une espèce de plaque transparente au début qui va être juste au-dessus de la plaque d'aération. Ça va être la première base que tu vas poser. Et petit à petit, plus tu vas te construire, plus tu vas construire ta maison avec les fenêtres, le toit, etc., plus cette plaque, elle va monter. Et parfois, quand le vent, le souffle de la bouche d'aération va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toi, tu vas descendre, mais il y aura une plaque qui t'arrêtera de tomber plus bas. C'est ça, construire sa maison sur du roc. Ça veut dire que même pendant les moments difficiles, tu vas rester au même endroit où la plaque se situe. C'est ça la beauté de construire sa vie, sa maison sur du roc. Et c'est vraiment une question qui est vraiment fondamentale, surtout pour quelqu'un qui est chrétien et qui a décidé de vouloir être heureux. Donc, j'espère que tu as compris en quoi c'est vraiment vital de vouloir construire ta maison sur du roc. Et maintenant, on va comprendre concrètement comment pratiquement toi, tu vas commencer à poser ta première fondation. Concrètement, comment toi tu vas faire pour pouvoir poser ta première fondation? Ce qu'il faut comprendre, c'est que construire ta vie sur du roc, ça veut dire tout simplement avoir une relation intime qui dure dans le temps avec, comme j'ai déjà dit avant, la seule personne qui puisse te combler profondément, Jésus-Christ. Comment faire ça? Alors la question qu'on va se poser, c'est comment faire de manière générale pour avoir une relation intime avec quelqu'un, de manière générale. Il faut deux choses. La première, c'est la fréquentation. Il faut fréquenter souvent cette personne pour pouvoir avoir une relation vraiment d'amour avec cette personne. Mais aussi, il faut, la deuxième chose, apprendre à la connaître. La connaître, c'est simplement, au fur et à mesure de ces vidéos, on va aborder plusieurs thèmes qui vont essayer de te faire comprendre plus précisément qui est Jésus, c'est quoi le fondement de cette foi, le sens profond derrière. Donc premièrement, connaître la connaissance, mais aussi ce que tu vas faire toi par derrière, les leçons que tu vas apprendre de ta vie. Mais deuxièmement, fréquentation, et ça va être le sujet de cette vidéo, c'est la prière. Un chrétien sans prière, c'est un vase sans eau. C'est un coquillage sans animal à l'intérieur, quoi. C'est vide. La prière est fondamentale pour tout chrétien qui veut véritablement construire sa vie. C'est fondamental. Donc, si tu veux maintenant poser ta première base, la première base de ta maison, on va faire ensemble un petit challenge, c'est qu'à partir de maintenant, ça va être ta mission après cette vidéo, à partir de maintenant, tous les matins et tous les soirs, tu vas prier seulement 5 minutes avant de te coucher et au moment où tu te réveilles. La première chose que tu fais, je sais que d'habitude, nous, ce qu'on a l'habitude de faire quand on se réveille, c'est tout de suite regarder son portable, toujours. Parce que c'est intéressant, c'est stimulant, mais faisons ensemble ce pacte de la première chose que tu fais quand tu te lèves, c'est penser au but de ta vie. C'est penser à la seule personne qui puisse te remplir. C'est un pacte que tu fais avec toi-même aussi. C'est un pacte de, c'est vrai, la première chose que je fais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour moi. C'est quoi? C'est le but de ma vie, c'est Jésus. Et la dernière chose que tu fais, c'est prier. Prie seulement 5 minutes avant de te coucher et après t'être réveillé. 5 minutes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire pendant la prière? Pas mal de choses. Mais comme on débute, si tu es un débutant, ou si tu n'es pas débutant, mais ça fait longtemps que tu n'as pas prié, tout ce que tu as à faire, c'est, par exemple, dire merci. Dire merci avant de te coucher de ce que tu as vécu de beau dans cette journée.
te demander de t'aider dans des problèmes que tu as eus. Et tout simplement, parfois, de lui demander d'augmenter en toi des qualités, comme l'humilité, comme la bienveillance, comme la charité. Et comme le fait de vouloir construire ta maison. Juste demande-lui de t'aider à construire ta maison sur du roc. Ça va être une manière pour toi de prier. Ça va être juste le début de ton chemin. D'accord ? Donc, c'est ta mission après cette vidéo. Et si tu ne fais pas cette mission, cette vidéo est inutile, vraiment. Donc, j'espère que tu vas mettre en pratique cette vidéo. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'ensemble, on a vu que construire sa maison sur du roc, c'était vraiment d'une importance capitale. C'était même une question de vie ou de mort pour un être humain. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like. Et surtout, si tu n'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Et n'oublie surtout pas de faire la mission du jour. Parce que si tu ne la fais pas, cette vidéo n'aura servi à rien. D'accord ? Donc, je te souhaite à la semaine prochaine et à dimanche prochain.